C'est quoi ça là? Tu parles de moi? Oui, t'es qui toi? La baguette de pain. Je suis la baguette de pain. T'es bizarre, tu sers à quoi? Comment ça bizarre? Je suis longue, mince, dorée, réussie non? Et en plus on me mange. Tu veux goûter? Oh, c'est chaud, tu as la fièvre? Mais non, je sors du four. Qu'est-ce que tu faisais dans le four? Le boulanger m'avait mise à cuire. Tu as remarqué ma jolie couleur? Bon, d'accord, je t'explique tout. Tout commence par les moissons, quand on ramasse les épis de blé dans les champs. Ces épis sont battus pour séparer les grains. Ces grains sont moulus et transformés en farine. Tu connais la farine? Avec, on peut faire des gâteaux, des pizzas, des biscuits, des pâtes et du pain. Le pain, c'est le gros dur à côté de mes copines. Il est tendre à croquer. Donc, le boulanger prend cette farine, la mélange avec de l'eau, du sel, de la levure, et il pétrit, pétrit, pétrit. Sépare une boule de pâte, la met en forme, l'allonge, et hop, dans le four. Et nous voilà, nous, les jolies baguettes de pain. Oh, bravo! Au revoir, baguette de pain. C'est chouette, la vie. Je suis une bouteille de lait. Et d'où tu viens? Du magasin, et avant du camion, et avant de la fabrique. T'étais toute seule là-bas? Oh non, il y avait beaucoup de bouteilles comme moi, toutes bien propres et bien rangées. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'attendais qu'on me remplisse de lait. De lait? Bah oui, de lait. Et tu sais, ce qu'on met dans ton biberon? Moi je l'aime mon biberon. Oh oui, je sais. Et c'est aussi avec le lait qu'on fabrique du beurre, des yaourts, des petits suisses, des fromages, de la crème. Je savais pas ça, moi. Et d'où il vient le lait? Bonne question, petit. Il vient de la vache. Sous son ventre, il y a de grosses tétines. On les appelle les pies de la vache. Et c'est là que son bébé, le veau, tète le lait pour grandir, comme toi ton biberon. Et comme la vache a beaucoup de lait, on la trait. Le fermier ou maintenant une machine tire doucement sur les mamelles pour faire couler le lait dans les bidons. Ah, et les bidons arrivent à la fabrique pour remplir les bouteilles de lait et mon biberon. Au revoir, bouteille de lait. C'est chouette la vie. C'est quoi ça là? Moi, je suis la prise de courant électrique. On dirait que tu ne me connais pas. Non? Je peux jouer avec toi? Non, non, interdit, dangereux, pas possible. Ça peut te faire très très mal. Oh là là, t'es fâchée. Écoute petit, on ne peut pas jouer avec tout. Regarde les deux petits trous dans le mur. Et mes deux tiges toutes droites, tu vois? Je suis faite pour rentrer dans ces deux trous. On appelle ça me brancher. Et ces deux trous n'acceptent que les prises comme moi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur se trouve le courant électrique. Et si tu mets tes doigts, c'est une brûlure tellement forte que tu peux mourir. Oh, c'est grave alors! Et toi, tu te brûles? Non, je suis fabriquée pour ça. Pour laisser passer l'électricité jusqu'à l'aspirateur, la lampe de salon, la télévision et plein d'autres choses.
Et pourquoi il est dans le mur, le courant? Regarde dehors. Tu vois les gros fils noirs entre les poteaux? Le courant électrique est dedans. Ensuite, ces fils vont sous la terre jusqu'à ta maison et passent dans les murs jusqu'aux deux trous de tout à l'heure. Et là, moi, la prise électrique, je me branche et la lampe s'allume. Tiens, je te présente mes copines toutes différentes, mais on fonctionne de la même façon. Mais rappelle-toi, pour les petits, c'est interdit. Au revoir, prise électrique. C'est chouette la vie. C'est quoi ça là? Bonjour petit. Bonjour, t'es super beau. C'est vrai, je suis très réussie aujourd'hui. Regarde-moi bien, tu as vu toutes mes couleurs? Oh, mais d'où tu viens? Écoute-moi bien, je vais te raconter la vie d'un arc-en-ciel, mais je dois faire très très vite. Je vais bientôt disparaître. Tu as vu, il pleuvait à l'instant. Oui, ma poussette est toute mouillée. Eh bien, si le soleil se met à briller pendant qu'il pleut, j'apparais. Bravo! Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, en fait, tu ne peux pas me toucher. Je ne suis qu'une image formée par la lumière à travers les gouttes de pluie. Alors, après la pluie, tu pars? Tant qu'il reste des gouttes de pluie dans le ciel et que le soleil brille, je suis là. Mais comme le soleil chauffe beaucoup, les gouttes d'eau disparaissent et moi avec. Je ne peux pas rester plus longtemps. À bientôt, petit! Au revoir, arc-en-ciel! C'est chouette la vie! C'est quoi ça là? C'est à moi que tu parles? Oui, t'es très très grand. T'es qui? Je suis le feu de circulation. Le feu de quoi? De circulation. Regarde toutes ces voitures, ces camions, ces motos et même les piétons. Tout cela circule sur la route. Et moi, planté sur le trottoir, j'organise. Tu fais le chef? Oui, j'adore. Je décide là où je suis, quand on doit s'arrêter ou redémarrer. Je suis là pour empêcher que tout le monde passe en même temps. Grâce à moi, il n'y a pas d'accident. C'est parce que tu es content que tu changes de couleur? Oui, si tu veux. Mais on m'appelle surtout le feu tricolore. Attention, première couleur, le vert. Là, on peut passer. Prudemment, bien sûr, mais on roule. Allez, allez, roulez, roulez! Ensuite, la deuxième couleur me monte aux joues, orange. Je leur dis, méfiez-vous, ralentissez. Pourquoi? Parce que je vais bientôt passer à la troisième couleur, le rouge. Et là, c'est stop, on s'arrête, c'est obligatoire, on ne discute pas, c'est comme ça, c'est dangereux. Interdit de passer. Compris? Oui, oui, monsieur le feu de circulation. Bon, ça petit, c'est pour les voitures. Pour les poussettes comme la tienne, c'est l'inverse. Ah bon? Quand moi je suis rouge, tu vois un petit bonhomme vert qui s'allume, il te dit que tu peux traverser la route. Ensuite, il s'éteint et devient rouge lui aussi. Là, tu restes sur le trottoir, car moi, je passe au vert et les voitures démarrent. Ah, t'es là pour me protéger alors? Voilà, t'as compris. Allez, je suis orange, je passe au rouge pour arrêter les voitures. Tu peux traverser et rentrer chez toi. À bientôt! Merci, feu tricolore, au revoir! C'est chouette la vie!